Coucou les cavaliers. Aujourd'hui, on repart sur un apprentissage pour Lou. Ça fait un moment qu'elle me l'avait demandé, donc je me suis dit, hop, c'est l'occasion. Donc on va lui apprendre les longues rênes. Elle m'a déjà vu faire. Elle a déjà participé à deux séances comme ça, avec moi et avec ma prof. Donc, je le prends un petit peu au départ pour lui montrer les boutons, montrer comment ça fonctionne, comment faire, à quel moment, tout simplement. Qu'on a une jeune qui nous suit et qui fera aussi un petit test. Elle me demandera tout à l'heure si elle pourra essayer. Donc, j'ai laissé un tout petit bout, en fait, la fin de sa séance pour montrer à quel point, quand Helios en a marre, ce qu'il fait, ça vous l'aurez à la fin. Donc, j'ai Lou derrière moi, je lui explique un petit peu comment ça fonctionne. Et donc là, je vais lui laisser les commandes. Alors, elle me demandait où est-ce qu'elle devait se placer. Logiquement, elle devrait être beaucoup, beaucoup plus proche de lui. Mais bon, comme elle n'est pas forcément à l'aise en ce moment avec lui, j'ai fait, écoute, tu gères. Si tu te sens à l'aise, tu te rapproches. Si tu te sens pas à l'aise, tu restes loin. En sachant que plus tu seras proche de lui, plus ton contrôle sera facile. Donc au début, elle va commencer, elle va être vraiment très très loin de lui. Donc je reste un peu avec elle dans le manège pour lui expliquer. Parce qu'il y aura des moments où il y aura des choses, il va faire des trucs qu'il n'aura pas fait pendant que moi je l'avais. Donc je vais rester un tout petit peu avec elle, lui dire comment réagir à quel moment. Et une fois qu'elle aura un peu chopé le truc, je vais lui poser des plots. Et je vais sortir du manège pour qu'elle puisse bosser tranquille. En tout cas, cette séance, elle m'aura bien fait rigoler parce qu'elle fait le buzzer. Elle arrête pas de faire le buzzer. Dès que ça galère un peu. Mais bon, voilà. C'est un peu. C'était rigolo. Donc, elle, ça lui permet de travailler avec lui dans une certaine sécurité et elle est sereine. Et au fur et à mesure, elle peut se rapprocher du cheval quand elle se sent prête en fait de se rapprocher de lui. Donc là, comme dit, hein, elle est vraiment, vraiment, vraiment très loin. Donc voilà, là, elle me dit qu'elle a capté un peu comment ça marche. Je vais aller lui chercher les plots et je vais lui poser des plots. Donc là, je lui disais effectivement, hein, c'est un défaut aux longues rênes, c'est de le faire à la façon d'école. Donc de décoller le bras pour pouvoir faire tourner le cheval. Sauf que comme il y a les anneaux, bah, ça sert à rien. Donc là, ils vont s'exciter pour pouvoir faire avancer Elios, mais vu que je suis sortie du manège, mon cheval n'avance plus. Tiens, mais non, je veux voir ce qu'elle fait maman, j'attends. Vous pouvez vous exciter, je m'en fous. Et là, il m'a vu, donc il va repartir. Alors oui, il a un peu du mal à démarrer en longue rène. Et logiquement, il faudrait avoir la badine en main. Mais c'est toujours la même chose. Dès qu'on a un peu trop de choses dans les mains, ça devient un peu galère. Pardon. Et je veux pas imposer ça non plus à Lou. Déjà qu'elle apprenne à gérer ses mains. Puis au fur et à mesure, quand on avancera dans ce genre de séance, que ce soit elle ou moi, hein, on rajoutera la badine, tranquillement. Donc voilà, interférence. Hein. On est dans le manège, donc il est plus obnubilé par ce que nous on fait que par ce que Lou lui demande.
Alors bien sûr, pour une première séance, je lui ai fait en licol. Autant pour que elle soit tranquille dans son esprit en se disant bon bah c'est pas grave, si je tire un peu fort, je vais pas lui tirer sur la bouche. Et moi, ça me met plus à l'aise en fait parce qu'il aura, il aura plus de. Il pourra faire son têtu, tout simplement. Moi, j'ai compris, je commence à comprendre le système, donc ça m'arrive de le faire en mort, mais c'est rare. Si je peux le faire que en licol, je le ferai que en licol. C'est vrai qu'avec le mort, ça revient quand même un petit peu plus. Ça se rapproche plus de ce qu'on fait quand je le monte. Donc là, elle est bloquée. Je vais aller chercher la longe pour le faire avancer. Ma pseudo-badine. Sans cette longe, je ne fais rien. C'est ma longe fétiche. Elle a des petits bouts de cuir, en fait, au bout. Et je m'en servais déjà à l'écurie avant pour sortir les chevaux. Ça faisait un bruit, enfin ça fait un bruit assez spécifique quand on la fait tourner. Et ça fait bouger les chevaux, tout simplement. Donc moi je l'utilise encore. Je l'utilise surtout sur Helios, bien entendu. Mais je l'utilise encore. Elle fait pas spécialement mal. Donc ça claque un petit peu quand on lui met un coup sur les fesses. Bon, lui, ça lui fait rien. On aura beau. Je viens même à la badine, hein. J'ai l'impression qu'il a été ultra désensibilisé de ce côté-là. Donc ça lui fait pas grand-chose. Par contre, le bruit de ces fameuses trois petites queues de cuir, ça lui fait bien comprendre. Bah, bouge là. Maintenant, il faut que tu bouges. Donc là, on est sorti du manège. Donc, il y aura des moments où ce sera au désespoir. Le cheval s'est mis en mode off. Donc, je la laisse gérer. Je la laisse se débrouiller pour essayer de trouver le bouton marche. Elle va y arriver. Comme dit, il faut un peu de temps. Il faut qu'elle s'adapte. Si je reste derrière à pousser le cheval à tout bout de champ, en fait, elle s'en sortira jamais. Donc oui, c'est dégueulasse. Parce que du coup, elle est coincée, elle est à l'arrêt. Mais avec de la persévérance, elle y arrive. J'interviendrai uniquement en fin de séance parce qu'à un moment donné, ça devient blasant qu'il s'arrête tout le temps. Donc il y aura vraiment juste en fin de séance que je vais intervenir pour lui dire oh, maintenant il faut que tu arrêtes, faut avancer quoi. Donc voilà, premier slalom, hein, c'est très 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 écarté des plots. Mais ça vient doucement. Déjà, elle a compris le système du droit de gauche. Que quand on lâche une main, c'est. Non, pas quand on lâche une main. Quand on tire d'un côté, on donne du mou de l'autre. Il faut que la tête du cheval puisse bouger librement. Si elle tire sur les deux rênes en même temps, le cheval va s'arrêter. Là, il lui fait la. Il lui fait un peu la misère, mais il va le passer son plot. Alors la jeune qui était avec nous, ça l'intéressait, puisqu'elle n'avait jamais entendu parler de ça, elle ne connaissait absolument pas ce système. Donc elle me posait plein de questions hein, sur à quoi ça sert, pourquoi on fait ça. Je lui ai expliqué que, effectivement, pour un débourrage, c'est un premier avant-goût pour le poulain de ne plus voir son cavalier, d'avoir un contact sur sa tête en dehors du licol quand on est devant lui, et en fait d'apprendre les ordres sans avoir le meneur. Et tout ça, en fait, ça prépare au travail monté, tout simplement. Voilà, elle n'a jamais entendu parler de ça. Elle était
Elle est débutante en équitation, hein. Elle monte relativement bien quand même, pour son niveau. Elle a beaucoup de choses encore à apprendre, mais elle se débrouille vraiment très bien. Et moi, elle était super intéressée, donc j'ai pas pu. Je pouvais pas lui dire non, je te laisse pas essayer. Je veux dire, il était dans le travail, il était calme. Mais bah, tant qu'à faire, si tu veux essayer, oui, vas-y. Donc on laissera Lou faire son petit, sa petite leçon. Et la jeune reprendra tout à l'heure et fera quelques tours avec lui en long terme. Alors là, pareil, il s'arrête parce qu'en fait, il y a des mouvements dehors. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, donc il y a une voiture, il y a le chien, il y a des gens qui bougent, ça parle. Donc il est obdubilé par ce qui se passe dehors. Alors elle essaye de le remettre sur la piste, de revenir sur le lieu de travail. Et je lui dis, écoute, c'est quoi? S'il veut avancer vers la porte, laisse-le avancer vers la porte. Et tu reprendras une fois qu'il aura lancé son pas, quoi. Et effectivement, ça fonctionne. Donc voilà, ça vient, hop. Et là, elle est déjà beaucoup plus proche de ses plots. Et lui, il est calme, il est tête basse, il est vraiment dans une position de détente. Il travaille dans une zénitude totale. Voilà, elle a raté le plot. Après, je pars toujours du principe où je ne demande pas à ce que les exercices soient parfaits. Mais qu'il essaye quand même de faire les exercices qu'on lui demande. Même s'il y a des ratages, il peut y avoir, voilà, comme là, un plot sauté ou un départ raté. Ou tout simplement une allure qui n'est pas maintenue. Moi, le principe, c'est qu'il l'aura fait. Même s'il fait un départ et qu'il s'arrête 2 mètres plus loin, le départ, il me l'aura donné. Donc, je félicite quand même. Si là, maintenant, il fait le slalom, il rate un plot, mais il chope les 2 autres, pareil, je félicite. Là, quand il est à l'arrêt, je lui dis à chaque fois, c'est pas grave s'il s'arrête, laisse-lui un peu de temps. Quand il redémarre, tu lui dis que c'est bien, que c'est ce que tu attendais de lui, même si c'est qu'un pas en avant. Et finalement, en fait, il va se rendre compte que plus il va répondre correctement, plus les récompenses orales vont venir. Parce qu'avec lui, en fait, je ne peux pas donner de bonbons. Si je commence à donner des bonbons ou une poignée de grains ou ce genre de choses pendant le travail, je le perds totalement. Donc, je suis obligée de rester sur le principe de la caresse ou des félicitations orales. Les bonbons, le grain, il le reçoit après. Une fois qu'on a terminé, qu'il est au box, ou alors tout simplement on est encore dans le manège, mais déséquipé, on est en train de ranger, bon bah hop, tiens, je te donne un bonbon. Mais j'ai vite compris que le bonbon pendant la leçon, ça sert à rien. Ah, il devient con, après on peut plus rien en faire. Donc là on voit, elle s'est quand même pas mal rapprochée. Mais elle s'est rapprochée sans forcément tendre ses longes. Donc, au fur et à mesure, elle va se rapprocher et elle va comprendre qu'à un moment donné, bah, il faut qu'elle prenne quand même un contact. Et là, je vais vous laisser son désespoir oral parce que c'est juste magnifique. Elle m'a fait ça tout le long de la séance à chaque fois qu'il s'arrêtait. Donc, je vous laisse profiter de ce désarroi.
Allez. Donc voilà, je vous ai laissé profiter du buzzer et du désarroi de Lou. Je la comprends. C'est frustrant quand ça marche bien et puis d'un coup le cheval s'arrête. Et puis là, il n'a pas compris ce qu'elle lui demandait, du coup il s'est retourné vers elle. C'est pas grave, elle le gratouille quand même. Dire, voilà, il a quand même bien bossé jusque-là. Donc elle le félicite, sauf que bah voilà. Je te suis. Tu veux quoi? Donc je vais descendre de l'estrade. Et quand il va me voir, il va commencer à se remettre en position. Elle aura aussi fait les gestes pour pouvoir l'aider à se remettre en position. Moi, tata. Il veut un câlin. Voilà, il me voit descendre. Il voit que j'arrive. Hop, on se remet. Donc je lui laisse quand même se dire que elle a réussi. Par contre, voilà, là, elle avait un jet, elle avait un truc. Elle l'a tout de suite enlevé. Mais il y avait quelque chose qui me gênait. Elle avait la main enroulée dans la longe. C'est le genre de détails qui peuvent péter une main. Après, ça va, là, il est franchement pas speed du tout. Donc, elle n'a pas de gros risques. Voilà, ça veut plus redémarrer. Donc là, je vais l'aider quand même, parce que du coup... Puis il a une voix relativement aiguë. Et moi, quand je me fâche, je monte dans les graves. Voilà, ah, je fais tourner. Et pif, ça part tout de suite. C'est un bruit qui... En fonction de comment je le fais, il va avancer. Maintenant, je peux très bien lui faire tourner autour de la tête. Si je lui demande pas de partir, il bougera pas. Donc ça va, il sait faire la différence entre le moment où je lui demande de bouger et le moment où je ne veux pas qu'il bouge. C'est pareil avec la badine. La badine, pour éviter qu'il en ait peur, je faisais beaucoup de travail dans le sens où je lui faisais tourner la badine au-dessus de la tête, à côté de lui, sans forcément lui demander de bouger. Pour qu'il comprenne que cet outil-là n'est pas censé le toucher, mais que si je lui donne un ordre en même temps, il faut qu'il agisse. Donc après, c'est des petits exercices, entre guillemets, de désensibilisation. Mais c'est plus pour leur apprendre à faire la différence entre le moment où je fais du bruit à côté de toi et le moment où je te demande de faire quelque chose. Là, les choses, elles changent. Après, il est bon élève. Il est très très bon élève. Un peu têtu sur les bords. Je pense que c'est le seul reproche qu'on pourrait réellement lui faire. Donc là, le slalom, il est limite parfait, quoi. Elle touche pas les plots, elle prend plus large pour pouvoir faire le tour du plot à l'envers. Bon, là, ça y est, elle a compris le système, ça va tout seul. Et ça fonctionne même très bien.
Et comme on veut faire des sorties comme ça au printemps, d'où le fait que j'ai fait mon support de caméra, si on met la caméra sur nous, bah vous verrez le cul du cheval. Si on lui met sur le poitrail, parce qu'à la base c'est ce que je voulais faire, hein, c'était lui faire lui bricoler un collier de chasse pour faire un support sur la caméra pour lui mettre au poitrail, je me suis dit ça va pas arrêter de bouger. Puis on verra rien en fait. Alors que là, on voit son encolure, on voit sa tête, et on verra le paysage devant. Après, rien n'empêche que si on est à plusieurs, qu'il y en ait une autre qui prenne une autre caméra pour avoir un autre angle de vue. Mais voilà, c'est pour pouvoir vous faire profiter de nos balades en longue graine, sans forcément avoir le désarroi de ne voir que ses pieds ou que son cul. Et puis de profiter un petit peu de ce que lui voit. Bon, on voit bien la différence entre maintenant et le début de la séance. Elle est allez, à 1 m 50 de lui par rapport au départ où elle était quasiment au bout des 7 mètres de longe. Là, il y a quand même plus de longueur qui traîne derrière. Mais comme dit, je préfère la laisser se donner confiance. On va dire ça comme ça. Se donner confiance et que elle s'approche petit à petit de lui quand elle se sent prête de le faire. Mais effectivement, plus elle est proche, plus son contrôle est facile. Donc voilà, elle va aller se mettre au centre pour l'arrêter. Et on laissera la place à Émilie. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'au moment où elle lui a demandé de s'arrêter, elle n'y a pas mis la voix. Elle n'y a mis que la main. Mais bon, allez, c'est pas grave. Donc voilà, gratouille, félicitations. Je vais reprendre avec Émilie, je vais lui remontrer les boutons, je vais la faire et je vais lui laisser la place. Je vous ai laissé que la fin de séance pour vous montrer que voilà, elle y arrive. Elle s'en sort très bien, hein. Même si c'est une petite souris, elle s'en sort très bien. Et que finalement, bah, même un enfant pourrait le contrôler. Je suis quand même restée avec elle comme il la connaît pas pour pouvoir rester en mode moteur, qu'elle puisse quand même faire son essai sans forcément avoir besoin de s'exciter sur lui. Mais bon, là il va décrocher, il va jouer avec le plot, il va l'emmener avec et on s'arrêtera plus loin pour la fin de séance. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça nous fera plaisir. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!